Salut à tous, c'est Dequestor, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Kingdom Hearts. Et en cette période de Noël, je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous et j'espère que vous avez plein de cadeaux par le Père Noël. Je suis assez content, j'ai eu le nouveau Super Smash Bros sur Wii U que je me démonte à petit feu. Il est très bon le Super Smash Bros. Et donc où en étions-nous, Phil? Phil? Mais que fais-tu là, Phil? Mon dieu! Oh... Que s'est-il passé? J'ai vu un drôle de type tout en noir. Je l'ai suivi, mais il m'est tombé dessus et m'a assommé en moins de deux. Yes. Ah non, mon noir! C'est le voleur de la pierre de l'Olympe. Ah bah oui, pff. Ah bah dis, tout de noir vêtu. C'est beaucoup plus simple à deviner. Par où est-il parti? Faire les enfers. Ah bah ça tombe bien, on est aux enfers! C'est une crapule, apparemment, moi qui pensais avoir trouvé un autre héros. Histoire qu'Hercule puisse se reposer un peu. Si tu cherches des héros, il n'y a qu'à demander. Vous en connaissez? Ouais, merci! On en est des héros, je te rappelle. Ce que j'allais dire. Ennio compte pour du beurre. Oh, méga potion plus plus plus. Méga ultra potion. Bonus attaque. Augmente attaque de 1 point utilisable uniquement à partir du menu. Et bah vous savez quoi? J'ai encore faire mon gros radeau. Car il va aller à Sora. Non, j'ai pas augmenté de PI avec le temps. Ah, Virevolt, rapproche-toi de ton élément, d'un ennemi à l'autre. Ah bah non. Bah oui, bien sûr, j'ai déjà activé. Non, j'ai pas eu de PC en plus. Ok, bon. Quand on aura en plus, on prendra le truc qui permet de faire un combo aérien ou un truc comme ça, je sais plus ce que c'était. Bref. Et on a toujours pas notre zone de flux, putain. Je veux la pierre de l'Olympe. Oh, elle ressemble à ça, l'hydre, j'avais oublié. Vas-y, Hercule, rappuie dans la gueule. Hercule, 9-3. Bon, je vais arrêter, c'était déjà le sujet de notre vie. Merci, merci à tous, j'espère que ça vous a plu. Il a bâclé l'hydre. Il a foutu deux coups d'épée. Ouais, je suis mort, allez, envoyez-moi un ennemi un peu plus fort là, parce que là c'est de la merde. What? C'est pas les enfers que je connais. Reviens là, je peux pas t'atteindre. Non, laisse tomber, j'arriverai pas à l'atteindre. On va aller voir là-bas si j'y suis, parce qu'il y en a d'autres. Aïe. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, glacier. Ah, mais c'est chiant, y a pas de touche d'esquive. Je suis trop habitué aux Warriors, moi. Touchez, donnez-moi une touche d'esquive. Je dis Stanley Warriors. Un. Et pour changer, 2. Viens là, sale bête. Au moins, c'est des ennemis qui sont un peu plus durs. C'est-à-dire que c'est des ennemis qui rapportent un peu plus de XP. Merci. Eh, mais j'ai illimité grâce à Donald. Faut jamais le kicker de l'équipe, lui. Je crois que Dingo, lui, il donne des éthers pour la magie. Bref, bon, te prends pas un rocher sur la gueule, Dingo. Et j'ai vu un coffre là-bas. Nous allons évidemment pas oublier le coffre, hein. Source de revenus la plus importante dans Kingdom Hearts. Oui, chers amis, si vous voulez gagner de l'argent ou quoi que ce soit, ne travaillez pas, cherchez des coffres. C'est absolument faux, hein. Ne m'écoutez pas. Ne m'écoutez jamais. Décidément, cette malédiction me vide de mes forces. Il faut qu'on récupère cette pièce très vite. Cette pierre, pardon. Et là, qui va apparaître sous notre nez? Allez, je veux s'en venir. Ah non. Okay. Abîme Inferno. Oui, Inferno. Pour référence à notre pigeon préféré. Si tu regardes cette vidéo, on pense à toi. Enfin, je pense à toi plutôt. Je sais pas ce que font les abonnés. Je parle... en fait, quand je dis on, hein, c'est parce que je suis schizophrène, c'est que je parle... soit je vous compte avec moi, vu que... Quand je joue, moi, j'imagine que vous êtes à côté de moi et que vous me regardez jouer ou qu'on joue ensemble. Et aussi, bah, si jamais vous me prenez toujours pour un schizophrène, bah, imaginez que je compte Sora, Donald et Dingo avec moi, voilà. Ils ont la même pensée que moi, ils pensent à vous. Ils vous souhaitent aussi également de joyeuses fêtes, même s'ils sont toujours pas dans le monde de l'infroyable et Inferno. Étrange Noël de Monsieur Jack. Qui arrivera peut-être juste après celui-là, je pense. Je crois qu'il est juste après, je suis pas sûr. Il y a que deux niveaux dont je me souviens dans ce Kingdom Hearts là. Je sais qu'il y en a plus de deux, mais à suivre là, il n'y a que deux.
Tango. Aïe. Donald. Donald. Ah, Donald n'est pas occupé pour mon passé. Pierre de mithril. J'ai toujours pas à quoi ça sert. Ça sert à crafter des trucs, mais j'en crafte jamais. Bon, toi là. Hein. Ah oui, merde, j'ai soin, c'est vrai. Je l'ai utilisé par erreur. Oui, c'est vrai que j'ai soin maintenant. J'utilisais Popo, mais bon. Popo, c'est bien une fois, mais j'ai aussi soin. Vas-y, attaque-moi. Hit me. Oh, vas-y. Ça les étourdit même pas quand je les pars. Grosse frappe. Hop. Papa cucu. Hop, allez. Et merci encore de me donner tellement de bouboules de fusion alors que je ne veux pas l'utiliser, bordel. C'est comme donner la sucette à un enfant et la reprendre juste après, quoi. C'est pareil. C'est exactement le même procédé. Et avant que je mixe un mot en disant principe entre principe et procédé, je vais me taire. Ils sont chiants ces ennemis là. Allez Sora, augmente de level, y'a pas une touche d'XP. Ah si, ok, prochain niveau 173 en haut à gauche. Ah ouais, ça donne pas mal ces ennemis. Moi, oh, je vais bientôt augmenter le niveau quoi. C'est encore portugais. Hop. Il me faut une rune d'XP plus là. Tac, 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 tac. Il fait du bruit ce porte-clés. Hein. Ça va rythmer la vidéo à chaque fois que je jouerai avec. Oui, mais je me perds en fait depuis tout à l'heure. C'est où qu'il faut que j'aille? Ah, ok. Abîme Inferno, entrée. C'est pas par là que je viens? Si. Ok, on est retourné en arrière. Si les ennemis réapparaissent, je m'en contrefous. Non, ils réapparaissent pas? Tant mieux. Alors, c'est par où qu'il faut que j'aille? Je me suis perdu. Enfin, un truc là? Il y a un truc derrière. Un coffre, on est déjà passé par là. Ah. Ça reste par ici? Oui, allez. Dieu, je serai l'exploratrice. Sora l'exploratrice, je viens de remarquer que t'as juste à changer que deux lettres et c'est bon, t'as droit à l'exploratrice. Non, une lettre en plus. Juste à changer le S en D. Oh, bah Dingo, t'es tombé. Dingo. Ah bon, on l'a perdu dans les enfers. Ah, il est là. Je vais faire tomber Donald aussi, mais Dingo l'a rattrapé. Hop. Ah, vous pouvez pas venir, hein. You mad. Ah, bonus PC, je l'ai vu. Il est à moi. En fait, ça serait bien que je donne peut-être à Donald parfois pour qu'il me heal plus. Ça serait peut-être une technique, ça. Qu'est-ce que c'était? Vrille aérienne. Ou moulinet. Effectue une attaque qui inflige des dégâts aux ennemis. Rapproche-toi. Moulinet. Le cyclone, c'était quoi? Déclenche une puissante attaque aérienne sur un ennemi. Ouh, non, je prends cyclone. J'en fous de riposte. Oh! Mais! C'est un dresseur! Pokémon, go! Donald dans l'attaque! C'est vous? Toi, tu es... Roxas? Pardon? Roxas? Oh, je perds mon temps. Mais qu'est-ce que tu racontes? Voyons voir. Si le sujet ne réagit pas, une attitude offensive peut stimuler sa vraie nature latente. Tu vois qu'il veut gagner des millions avec nous, là? Sauf que je n'ai aucune idée de ce que ça signifie. L'attaquer. Toi, t'es bizarre. Oh! Mais c'est le voleur! Je te trouve très mal poli, toi! Oh mon dieu! Il va pouvoir déclencher son mode épique avec une guitare! Mais c'est une guitare électrique! Tu veux jouer au métal? Moi aussi j'ai une guitare électrique! Et fais ça! Ah! Putain, mais il fait des spectres de Pirates des Caraïbes, s'il te plaît là! Contre-danse! Olé, olé, olé! C'est pas dans Fairy Tail qu'il y avait un mec qui se battait avec des guitares électriques aussi? Je crois que c'était dans la tour du paradis ou un truc comme ça. On comprend rien, mais il y a des trucs qui pètent de partout! C'est ça qu'on veut! C'est ça qui est bien et je veux pas attaquer lui, moi! Ah, faut que je tue les clones en fait! J'ai un temps limité! Ah, ok, je viens de comprendre, je pensais qu'il fallait le tuer moi. Ok, allez, on va tuer du clone alors si tu veux. C'est ça que tu veux. Même leur foutre du brasier. Ça leur fait strictement rien et ça fait ramer le jeu. On va arrêter ça tout de suite. Allez, 4 clones, 4 clones. 4. Et boum. Oh. Sauf que je m'appelle pas Roxas.
Je m'appelle Deckmaster. Roxas, on a besoin de toi. We need your help, Roxas, for the you, for the. Snow-Earth Army. Yes! On va pouvoir utiliser la mode épique! L'épicness est de retour, chers amis. Ah, il manquait Excalibur, je crois. En avant! Meg est en danger! Go! Go, go, Power Roxas! C'est Sora, je m'en fous. Cette pierre appartient aux dieux de l'Olympe et protège de la malédiction des enfers. Rapport d'Anselme que je ne lirai jamais. Et là, j'ai la jauge épique. Oh oui, j'ai la jauge épique. Ça va être épique. Merci pour ce cadeau de Noël. Je ne sais pas comment tu t'appelais, mec de l'organisation 13. Mais ce n'est pas Axel, comme tu peux le voir, Matt Slayer. Toi qui pensais, avec ton long commentaire qui me fera toujours plaisir, que c'était Axel. Eh ben, ce n'était pas Axel. C'était Sonic. Sonic se rebelle parce qu'il avait une guitare électrique. Et là, je viens de voir un truc qui m'intéresse. Allez hop, rebelote, Sora. Et vu que je sais que je peux rien augmenter, je vais pas perdre de temps. Ah, bah j'ai pas la carte, donc... à mon avis, ça sera pas une potion qu'il y aura dedans, mais plutôt un bout de papier. Caverne. Pourquoi il y a les grands coffres, c'est juste pour ça. Ça peut pas être comme dans Link... Dans Zelda et... être des réceptacles de cœur, s'il te plaît, pour avoir plus de vie. Ou des réceptacles de force, pour avoir plus de force. Ça serait bien de faire un mix de Zelda, Kingdom Hearts. Voilà, ça c'est ce que je veux. Voilà. C'est cool. Ce qui reviendrait à faire un mix entre Zelda et Final Fantasy, si on y pense. Ah, mais c'est le truc du Colisée. Il va croire que c'est là. Ah, mais je me parle pas. J'avais même pas vu que c'était Meg. Le mec, il l'a incrusté dans la pierre, s'il te plaît. Il a posé dessus, il a fait pouf, 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 tu rentres dans la pierre toi et tu bouges plus. Bonjour visiteur, tu as débloqué le Colisée des Enfers. On y est presque. Ah bah, on a tué Meg je crois. Elle était dans la roche et vu qu'on a cassé la roche, on a cassé Meg. Ah oui, c'est ballot. Bon épique. La pose de beau gosse, s'il te plaît. Ça, c'est ce que j'appelle une clé. Merci de votre aide. Et maintenant, amusez-vous bien. Et bouge pas, Meg. Sora, derrière toi. Vous avez oublié vos pouvoirs de marchepan aux enfers. Tu es sûr? Tu es sûr? Tu vas regretter ces paroles dans quelques secondes. On va voir ça. Vas-y, viens, approche. Bah toi, pour protéger Megara. Ah oui, c'est vrai que ça s'appelle Megara. Et... Megara épique! Ah, tu croyais que j'avais pas mes pouvoirs, hein? Tu croyais que j'avais pas mes pouvoirs, hein? Are you mad? Ah, putain, j'ai encore OP de niveau. J'ai tellement pété que j'ai deux niveaux pas en boucle. Tiens, patibulaire. Tu sais ce que ça fait un combat Dragon Ball Z? Arrête de te protéger, il vient de battre comme un homme. Hop. Arrête. À l'aide, à l'aide. Mais je te protège. Regarde, t'as aucun dégât, ça me dire à l'aide. Et là j'ai perdu mon énergie. Oh mais ah, faut que je t'aide, c'est ça? Non? Alors ferme-la. Ah mais dégage. Joue au bowling avec Pat. Oh là là. Regarde, Zelda et Peach, quand elles se font kidnapper, elles se taisent au moins, elles parlent pas. Bon, elles ont pas de voix, mais elles parlent pas. C'est je me fais plus défoncer que toi, Meg, hein, s'il te plaît. Je l'ai biflé, la chauve-souris. Bah voilà. Même si j'ai fait cette action tout à l'heure, mais que ça n'a pas marché. Ah, c'est Hercule. Désolé, je suis en retard. Rainbow Dash. Oh mon dieu, il s'est pris un sabot dans la gueule, il est mort. Alors que moi, je...
Ok. Et toi alors? Je vais montrer à ces clowns ce que c'est que de défier un vrai héros. Mais je participais moi aussi. Vas-y. Et Hercule, t'es pas sympa, hein. Non, attendez. Mais je joue Hercule? Ah, je veux bien jouer Hercule sinon, y'a pas de problème. Mais ça m'étonnerait. Voilà. Bon, là j'en train de... Sora, je ne peux pas l'abandonner. Il s'en sortira. Mais Hercule a ses limites. Il ne peut pas gagner éternellement. Ok, retournons l'aider. Tu changes facilement d'avis, Sora. Ouais, moi j'aurais pas confiance en elle. Elle va faire des choses bizarres à ce poney, le pauvre. Et je serais remarqué quand même que si j'avais continué de tourner dans le vidéo, ça ferait 55 minutes. Hein. Il est quand même long ce truc. Oh bah alors Hercule, tu te manges la main. C'est bon. Hein. Salut. Je veux le mode épique encore. Excusez-moi, hein, vous me direz si je parle trop pendant les cinématiques. Hein. Ah, parce que il y a une personne à qui je fais entièrement confiance qui m'a dit que je parle un peu trop dans les cinématiques. Alors, moi je fais ça juste parce que je vous donne mes réactions en direct, mais bon, si ça vous gêne, n'hésitez pas à me le dire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je joue à la poupée avec une chauve-souris. Oh non. Merci Donald. T'es un vrai pote toi. Ultrason, c'est exactement la même chose que je viens de faire. Il s'appelait Étang il y a 2 secondes. Hop. Ah oui, c'est vrai, il a sa force lui. Ah, je me rappelle quand on devait le battre dans le Colisée dans 1, il avait aussi cette force qui était putain de chiante. Ah, c'est avec lui que je peux faire ça? Qu'est-ce qu'il a fait là? Écran? Je t'ai mis de l'écran total là? Tu t'es mis un peu de... Ouais, on se met un peu de pommade? Ouais, pas mal. Putain, j'ai oublié comment ça... Ah, de crème solaire, voilà. Ah là, je suis en hiver, j'ai oublié ce que c'était la crème solaire. Oh mais putain, mais il fait mal ce bougre. Hop. Flipper ou flipper. J'ai vu un texte qui s'appelait flipper ou flipper. J'ai pas su ce qui était la vraie flipper. Ping. Ah ouais, c'est flipper. Regarde un peu comment on joue avec toi. Tu joues au bowling, mais nous on fait du flipper avec ton gros c***. Oui, cette phrase était censurée. Boum. Je sais pas pourquoi j'ai imaginé que Pat était le Père Noël. Je sais pas, j'étais en train de penser à Noël et tout. Non. Mon dieu. Non 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 non. Épique. Oh, ça protège de tous les pics. Patibulaire. Reviens là. C'est quoi ces trucs qui roulent là? J'en sais rien. Patibulaire. Flipper. Ah. C'est mes walling. Et je vole. Ah. Headshot. Oh, Trinité. Je viens de gagner la Trinité. Ouh, ça c'est bon la Trinité ça. Désolé si je gueule trop hein. C'est le mode épique, c'est pas ma faute. Mais cet endroit ne me plaît pas finalement. Je m'occuperai de vous la prochaine fois. Oh, c'est trop style Sora en rouge. Vite, allons-nous-en vers la lumière verte dont nous avions peur dans le précédent épisode. Cette journée pourrait-elle être plus formidable? Cette fois, Super Mal va être écrabouillé. Qu'est-ce que tu dis? Parce que là, pour l'instant, c'est en Colisée qui se fait écrabouiller, donc bon. À moins qu'il remonte à la surface d'une manière atlantidienne. Tiens, tiens, ne serait-ce pas le grand héros Ramolo? Ton dernier combat n'était pas très glorieux, ça c'est Hadès. J'ai rappé mieux que toi. Accepte la défaite, Hadès. Tais-toi, tête de pique. Il a raison. Hein? What? What? Le mec, il l'insulte. Il lui dit, tu as raison. Le mec, c'est... Hadès, tu ne fais pas le poids. Tais-toi, tête de pique. Ok, ok, j'ai rien fait. Le mec. Tu n'es qu'un mauvais perdant, Hadès. Oui, oui, c'est ça. Mais dis-moi, ne devrais-tu pas t'inquiéter de l'hydre que tu as oublié d'achever? Tiens, tiens, il me semble entendre du fracas à la surface. Reviens. J'ai horreur de courir, mais d'autres résistances me réclament. Bon, bah j'imagine qu'il va falloir se battre quand même contre l'hydre. Hein? Allez, dites-moi que je me bats contre l'hydre, je veux me battre, moi.
J'aime bien l'hydre. Est-ce que je peux acheter un truc? Non, on a déjà tout acheté. Synthétiser peut-être. Conception libre. Toutes ces formules sont développées par Meg. Ouais, je peux faire quelque chose? Non. Ok, je peux rien faire. J'ai vu quoi là? Synthétiser, nouveau. Ah, ok. Wouah, c'est style. Oui, je n'avais jamais vu ça dans le premier Kingdom Hearts. Dans le deuxième, non, enfin la première fois que je joue à ce Kingdom Hearts. Je suis toujours en mode épique en fait, je viens de tilter là. Vite, il faut aller voir l'hydre et faire bugger le mode épique. Ouais, la vidéo elle aurait duré vachement trop longtemps si je l'avais continué. Hein. Et bah écoutez, hein. Je sais pas ce que je vais faire, ça se trouve, je vais refaire hein, le. Avec le vaisseau Gumi. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh! Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle! Oh! Champion, t'es en vie? Ouais, mais un peu j'ai fatigué. Échoué. Ce n'est pas. Je n'ai protégé personne. Ah, t'as sa raison. Je ne suis que. Qu'un raté! Oh, mais oh, c'est quoi? Champion, c'est pas comme ça que je t'ai appris à réagir! Exactement! Superman, Phil a raison. C'est pas le moment de te laisser abattre. C'est pas ça être un homme. Tu parles d'un héros. Faut pas se lamenter sur soi-même. Oula. Il a une baisse de morale avec des couleurs ternes. Allez, vas-y. Oh, bah non, je pensais qu'il allait se lever et le battre. Ah, bah non, mais lui, il est handicapé, il se barre. Là. Vas-y, à nous d'être des héros. Vous avez de la place pour un héros de plus? Ouais. Oui, bien sûr. Meg va nous envoyer des bisous. Vas-y, Meg. Tu attendris le. Meg, tu attendris l'hydre. Pégase, tu lui chatouilles le nez avec tes ailes. Et Phil, tu fais la pas. Alex, c'est parti. Et je suis trop petit pour l'atteindre, les amis. Je suis trop petit pour l'atteindre. Non, mais on va dépixer. Oh oui, merci. Ah, j'ai perdu le mode épique. Désolé. Aïe. Hé, hey, l'hydre, regarde un peu qui t'a derrière toi. Hé, hey, sale bête, t'es moche. Ah. Ah oui, vaincre. Ah là, c'est bon, c'est fini. Oh putain. Ah ouais, ok. Ah, il fait l'autruche. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a, Phil? Oula, wow, j'ai vu une tête d'hydre arriver dans l'écran. C'est Mandala. Pour ceux qui connaissent Hyrule Warriors. Hop. Zelda tout court, si vous connaissez le boss de Zelda 1, espèce de boss plante là. J'ai dit. Ah putain, mais faut le tuer les 4 en même. Ah, faut que je fasse un truc, vaincre. Hop. Vas-y, ça me fait de la jauge épique ça. Avec un peu de chance, je pourrais même la remettre. Ah bah. Ouais. Comment je fais? C'est bon, j'ai compris. Mais comment je fais? J'ai compris! Oh là là, il est chiant, Phil! Hop! Oh, je vais fouetter le cul? Qu'est-ce que tu fais? Encore! Phil action! Y! Y! Pfff. Oh bah oui, Y! Bah oui, bien sûr! Triangle! Un triangle! En plus, j'ai les vraies touches maintenant! Mais qu'est-ce que ça fait ça? Ah oui, en fait, ah ouais, je le fais depuis tout à l'heure, mais ça sert strictement à rien! T'aurais pu me le dire ça aussi, lui dire non sur le dos de l'hydre. Hop, allez, un petit brasier, ça fait du bien. Je te réchauffe la tête dans cette période de Noël. Hop, vaincre. Monte sur le dos de l'hydre. C'est ça que tu vas me dire, c'est ça? Ah. Ah ouais. T'es, il est. Il a une voix qui ressemble vachement à. Pas Gaston Lagaffe. Vincent Lagaffe. J'ai l'impression qu'il a la même voix. Peut-être c'est Phil fait le juste prix, tu vois. Wario. Quand j'étais petit, je pensais qu'il disait Mario. Hop. Putain, je lui fais des attaques à la Brook là. Monte sur le dos de l'hydre. Ah non, je peux encore l'attaquer, ok. Allez, on attaque. Ah, non. Oh putain, un peu. Ah, j'ai ma chose de furie.
J'ai pas besoin là, il en reste. J'ai pas besoin, regarde, fée, j'ai pas besoin du Dodley, j'en ai rien à foutre. Quoi, il est revenu? Mais c'est quoi ce boss? Bon, Phil, si tu te tais pas, c'est sur ton dos que j'ai monté, ok? Allez, 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 on se dépêche, on se dépêche. Espérant que l'autre tête elle apparaisse pas là-bas. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Il est où, dingo là? Viens m'aider. Ok, il lance son bouclier. Vaincre! Hop! Allez, sors! Ça y a Meg. Ouah! Ah oui, ok! T'as fait des bébés entre temps? Ouais, je suis censé faire quoi? Monter sur le dos de l'hydre? Allez voir Meg? Ah, mais montre-moi le boss! Pourquoi je le montre? Allez, c'est parti! Viens là! Viens là, sale hydre! Ah, tu l'as pas en fait. Désolé de casser ton délire, mais. T'es trop bas pour l'avoir. Allez, baisse ta tête! Montre-nous à quel point tu es moche! Montre-nous à quel point tu as des couilles! Même si actuellement tu n'en as pas! Baisse les yeux! Baisse les yeux, je te dis! Bon, allez, je vais enlever une barre de vie avec mode épique. C'est déjà bien. Bon, lol, ah bah ça y est, je suis monté sur le dos de l'hydre! Wouah! What? Vol de Pégase! Vol de Pégase! Vol de Rainbow Dash! Ah bah en plus, c'est un Pégase! Ah bah merci, Donald! Hop! Hop! On martèle le triangle! Rien à foutre! On martèle, on martèle, on martèle! Hop! Merci! Tu es une grande aide, Rainbow Dash! Ah! Ah, ouh, aïe! Ouh, aïe! Ouh, aïe! Ah, ça saute de tous les côtés! Aïe! Ah! Non, 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 je ne suis pas ami avec vous! Je vous aime, je ne vous aime pas! Allez, on attaque, on attaque, on attaque! Go, 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 go! Go, Roxas Rangers! Allez, c'est parti! Oui, c'est parce que ça le fait pas, Sora Rangers, donc ça le fait mieux. Eh, la pierre de l'Olympe! C'est la pierre de l'Olympe que j'ai. Ah non, c'est Mulan. Je croyais que mon portugais, c'était la pierre de l'Olympe! Vas-y, Rainbow Dash! Fais-nous un Sonic Rainbow! Et hop, allez, je t'enchaîne! Boum! Après, il ne restera plus qu'un mini PV à enlever. Et c'est la fin! Allez, monte toute ta tête! Qu'on en finisse! Et nous sommes actuellement à 27 minutes à peu près. 28. Viens là! Vas-y, monte toutes tes dents! Oh, quelles sont moches tes dents! Et c'est la dernière fois que t'es voir un dermato! T'as vu un peu tous tes points sur la peau! Ah non, je peux vaincre! Hop! Élément de foudre! Oh yes! Regarde, je suis tellement puissant que toutes les bouboules tournent autour de moi. Hm. Et ouais, c'est ça la puissance. La puissance du Sora. Coucou! Trop facile. You are too slow. Je vous ai laissé tomber. Je ne sers à rien. Ne t'en fais pas. Même un dieu serait épuisé. Antidépressif. Tu as raison. Prends le temps de te reposer. Chocolat. Il n'y aura plus de combat pendant un moment de toute façon. Noël. Ne vous inquiétez pas pour Supermal. Je veillerai sur lui. Sora, Donald, Dingo, je vous suis très reconnaissante. T'as une voix pas qui m'inspire problème. Pas de problème, moi je cherche pas les emmerdes, moi. Se manifeste. On se chargera d'eux. Ah bah merci pour Hercule qui est à côté. Quand êtes-vous des héros? On te racontera ça une autre fois. On doit y aller. D'accord, revenez comme vous voulez. J'espère que tu seras bientôt remis, Hercule. Ouais. Bah, il a dit oui, pas ouais. Prenez soin de vous, les gars. Vous plus longtemps la prochaine fois. On a de l'entraînement à rattraper. Bon, cette fois, on y va. Oh, j'ai failli oublier. La pierre de l'Olympe. Vous pouvez la garder. Oula, les yeux, quoi.
On dirait qu'il vient de se faire larguer ou qu'il a trop bu. Allez, on prend des forces. Oh, c'est la serrure. Oh yes. C'est là qu'il se dit, mais la serrure, on l'a pas déjà ouverte tout à l'heure. Allez, vas-y, ouvre-moi cette serrure. Ouvre cette serrure et allons vers de nouveaux horizons. Yes. Parlez de cette putain enfreignée du Père Noël qui va croire la terre en ces jours par l'union des planètes du chevalier du Zodiac. Oui, je répète tout le temps les mêmes choses, mais j'ai pas beaucoup d'inspiration pour ça. Yeah, oh, c'est la même que dans le 1, non? Bon. Le moins de la puissance d'un coup critique. En fin de combo aérien, proportionnellement au nombre de coups assénés. Oh, c'est bon ça. Du coup, j'ai pas vu ce qu'elle avait fait, le dragon de tapis, la cabale de Mulan, comme effet spécial. Maléfique. Où sont passés les autres? C'est absolu. Il devait avoir mieux à faire. Mieux à faire? On dirait Ben's iPad. Que préparer mon retour dans ce monde. Bah, il y a cette organisation 13 qui est toujours dans nos pattes. Laissons ces fous mener leurs petites intrigues. N'oublie pas le porteur de la Keyblade. Il nous a bien cassé les pieds, lui aussi. Oui, moi. Ah oui, lui. Oui, moi. Je t'emmerde, maléfique. Je crois que tu ferais mieux de me raconter tout ce qui s'est passé durant mon absence. Ben, Pat a sorti un CD, devenu multimilliardaire. Vous pouvez maintenant dorénavant l'acheter sur iTunes. Maléfique de Patty Buer. En vente à partir de 6,99€. Oh. Oh, je me demande où j'ai bien pu mettre ce vieil album. Ren Mimi, c'est catastrophique. On a perdu Alvin. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oh, pauvre Mini. Oh, Mickey, si seulement vous pouviez m'entendre. Le château est en danger, nous devons intervenir au plus vite. Donald? Dingo? Où êtes-vous? Ça me fait de la peine, là. Du coup, il y aura un niveau dans le château de Mickey? Je me rappelle pas de ça. Ça me rappelle quelque chose vite fait, mais je me rappelais plus du tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah ouais! Ah oui, il y a des niveaux là-bas! Yes! Tiens, tiens, deux bateaux. Ah non! Ça, je sais ce que c'est aussi! Donc du coup, on peut aller au château Disney. Eh ben, chers amis, c'est dans le prochain épisode que nous allons nous y rendre. Et vu que cet épisode d'une demi-heure, je vous en sors un mercredi prochain, exceptionnellement. C'est Noël, j'espère que les deux dernières vidéos en plus que nous avons sorties pour vous, le Prop Hunt et le Cops and Runner, vous ont plu. Sinon, allez les regarder, car elles sont géniales. J'espère que cet épisode vous aura plu et que, eh ben, je voudrais quand même bien faire rire, car avec toutes ces périodes de Noël, moi, je suis assez lessivé. Et donc je vous souhaite de joyeuses fêtes et j'espère que vous avez eu plein de cadeaux et à plus pour un prochain épisode !